chaos Firaveus Caron, on avait assez de la nuisance pestilentielle des Eldar Noirs et sentait qu'il était temps de les écraser sous l'impitoyable marteau de ces Marines du chaos de l'Alpha Légion. Si les Eldar Noirs n'avaient pas mené de raid contre leurs camarades du chaos, ils auraient pu prospérer en toute sécurité sur l'unique lune de Korava IV. Hélas pour eux, leur heure avait sonné. La bande de pillards du grand voïvode Taryl ne pouvait rien face à une armée entière de Space Marines du chaos. Incapables de fuir ou de se cacher dans leur propre base, les Eldar Noirs périrent sous le feu de l'envahisseur. Les Eldar Noirs, qui n'avaient pas fui ou été massacrés, devinrent les victimes des jeux cruels de leurs vainqueurs. Les Space Marines du chaos hérétique placèrent les Eldar Noirs dans les cages et les chambres de torture qui avaient accueilli auparavant certains de leurs frères. Une juste riposte du mal envers la dépravation. Nécrons et forces du chaos n'avaient qu'un point commun, leurs ennemis. Si les uns forment une armée glaciale et silencieuse de mort et de domination, les autres aiment le tumulte, la mutation et l'action. Lorsque l'Alpha Légion se retrouva au-dessus de la froide nécropole sortie des sables d'Imossa, elle ne vit pas simplement un ennemi, mais ce que sa folie furieuse lui faisait craindre et détester par-dessus tout, la soumission, le silence, le néant. Au cours de la bataille d'Imossa, les puissances déchaînées des dieux du chaos triomphèrent des vieux dieux K'tan de la mort, même lorsque l'un de ces derniers, le grand déciveur, fut invoqué afin de combattre sous une forme incarnée contre l'Alpha Légion. À l'issue du combat, il ne resta rien de l'antique cité Nécron. Tout avait été renversé, brisé et réduit en poussière. Frustré par leur tactique, le seigneur du chaos Firaveus Caron sentit monter sa colère à l'encontre des Eldar. Son désir d'écraser ses agaçants ennemis, associé à celui de s'emparer des terres désolées des plateaux désertiques, afin d'y construire un vaste temple en hommage aux puissances du chaos, devait amener l'Alpha Légion à attaquer leur place forte à brève échéance. Bientôt, le seigneur Caron fut incapable d'attendre davantage, et ses Space Marines du chaos frappèrent avec une puissance et une fureur meurtrières. Ils contrèrent les nombreux pièges et stratagèmes mis sur pied par la grande prophétesse Kaeris, laissant derrière eux la désolation. Une fois l'ennemi défait et la grande prophétesse en fuite, Caron laissa ses hommes pourchasser et torturer les Eldar survivants. Après avoir fait disparaître toute trace de vie, les Space Marines du chaos se lancèrent dans le pillage et la destruction des structures et entrepôts Eldar. Presque aussi puissants que les Space Marines, les soldats de l'Alpha Légion trouvèrent un ennemi naturel en la personne des sœurs de bataille. Les sœurs guerrières étaient en outre particulièrement proches du faux empereur, qu'ils s'étaient juré d'abattre. Les soldats du chaos voyaient dans l'ordre de la Rose Sacrée plus qu'une piété révoltante. Ils y voyaient la preuve manifeste des pouvoirs de l'empereur à travers les nombreux actes de foi des sœurs de bataille. Aiguillonnés par ces considérations, autant que par la menace que représentaient les sœurs de bataille, le seigneur Caron opta pour une attaque directe. Il entendait prouver une fois pour toutes la supériorité des dieux du chaos. Les Space Marines du chaos de l'Alpha Légion prouvèrent assurément leur supériorité ce jour-là. Ils mirent en déroute les sœurs de bataille et balayèrent leur pouvoir, leurs prières et leurs saintes vivantes. Mieux vaut ne pas s'étendre sur les noires cérémonies et les atrocités que perpétrèrent les victorieux soldats du chaos dans le district de Sama. Cependant, sur ordre du seigneur Caron, certains des exemples les plus horribles furent envoyés dans l'espace, sur un trajet où ils croiseraient une flotte de combat impérial. À leur arrivée sur Korava IV, les forces du seigneur Caron avaient balayé d'un seul coup les 253e et 254e régiments conservateurs de la garde impériale. Ensuite, après avoir franchi tout le système, les armes à la main, elles affrontèrent le 252e régiment dans sa place forte lourdement fortifiée. L'Alpha Légion ne profitait plus de l'élément de surprise, ni de la tempête Warp. Mais cela ne changea rien au résultat, une victoire écrasante du chaos. L'Alpha Légion considéra cette conquête comme un coup porté à l'Imperium lui-même. Le seigneur Caron laissa ses Space Marines du chaos, ses adorateurs et autres forces piller la ville. Les gardes furent regroupés. Ceux qui ne rejoignirent pas sur le champ le chaos le firent après quelques tortures et rares furent ceux qui restèrent fidèles à leur faux empereur jusqu'à la mort. Stubbs parvint à s'échapper, mais les corps démembrés de ses officiers supérieurs furent placés sur une estrade, en témoignage de la victoire. Au fil de milliers
milliers de batailles, le seigneur du chaos Firaveus Caron avait affûté son instinct. Caron sentait qu'il devait écraser la menace orque sans tarder, ou s'attendre à être chassé du système de Korava. Il consulta son grand sorcier, dont les divinations confirmèrent ses soupçons. Gorgé de sang et renforcé par le chaos, l'Alpha Légion écrasa les orques. Elle pénétra dans la vieille place Fort Orc, invaincue depuis des millénaires. Et pendant que ses soldats, ivres de victoire, massacraient et brûlaient l'armée vaincue, le seigneur Caron parcourut les lieux avec méfiance à la recherche de son ennemi Gorguts. Une fois encore, son instinct avait vu juste, le grand orc était introuvable. Cependant, la victoire était acquise, et aucun orc ne viendrait troubler la domination du chaos. Leto n'était absolument pas préparé à la fureur avec laquelle les forces du chaos attaquèrent leur base lunaire de Nanyanoï. Sans connaissance innée du Warp et sans psycheur dans leur rang, Leto ne pouvait avoir conscience des nombreux pouvoirs qui faisaient de l'Alpha Légion un adversaire aussi redoutable. Les tortures et cérémonies répugnantes imposées aux malheureux Tau n'ayant pas eu la chance de périr au combat furent indescriptibles. Dans les heures qui suivirent la prise de Nanyanoï, la base fut inondée du sang de ses défenseurs, et la dépouille de leur éthéré vénéré fut hissée sur le tube du canon Arca, le seul élément de la base Tau que le seigneur Caron se refusa à profaner. Lorsque le seigneur du chaos Firaveus Caron débarqua à la périphérie des terres de solitude, il sentit que sa plus grande victoire était proche. Il avait déjà repoussé les légendaires Blood Ravens, qui se réfugiaient désormais dans leur place forte. Encouragé par la tournure des événements, l'Alpha Légion approcha du quartier général de ses ennemis et donna l'assaut. Si les Blood Ravens ne s'étaient pas aussi bien battus, le seigneur Caron n'aurait pas autant apprécié leur défaite. Ces Space Marines du chaos de l'Alpha Légion, le chaos courant dans leurs veines, avaient contré chaque tentative ennemie à grand renfort de hurlements et d'actes de barbarie jusqu'à la victoire finale. Les Space Marines morts furent horriblement profanés. Mais les plus à plaindre furent ceux qui survécurent. Agonisant, le commandant d'armée boréale fut contraint de regarder ces atrocités sans nom avant que la dernière étincelle de vie quitte son corps. Le seigneur Caron dédia les terres de solitude au chaos, les renommant Segrebliut en langue démoniaque. Mais ces hommes préférèrent une autre appellation, Raven's Blood, en souvenir de tout le sang qu'ils avaient versé ce jour-là. Jadis, il existait un simple soldat qui ignorait posséder des capacités latentes de psycheur. Sans formation, il était incapable de se protéger des murmures des dieux du chaos qui le rendirent complètement fou. Ils le firent mener divers projets, accomplir divers rites noirs afin de provoquer la création d'une terrible faille dans l'espace-temps. Le chaos en surgit alors. L'Alpha Légion apparut. Et la tempête Warp se déchaîna comme jamais. Les dieux se félicitèrent du résultat. Mené par le seigneur du chaos Firaveus Caron, l'Alpha Légion se déploya, massacra et conquit. Aucune force, pas même celle de leurs ennemis mortels, les Space Marines impériaux, ne survécut à sa fureur. 9 armées s'affrontèrent pour le système de Korava, et celle du chaos s'avéra être la plus forte. Désormais, les 4 planètes du système de Korava grouillent des formes étranges et torturées du chaos. Des démons marchent au grand jour, et la tempête Warp grandit en taille et en force. L'Alpha Légion du Seigneur Caron se prépare à une autre guerre, encore plus grande, encore plus terrible, contre son ennemi de toujours, l'Imperium de l'Humanité.